Non, cette histoire de rétrospective, c'est de la folie, hein, parce que tout le monde croit que, enfin, beaucoup de gens émettent des jugements sur le camarade héros international et apatride d'Islande. Mais islandais quand même. Quand même. Un petit peu, mais. Enfin bon. Et puis, c'en est pas une, parce qu'il faudrait, je sais pas, le musée du Louvre, je sais pas, peut-être, oui. Ça tiendrait peut-être dans le musée du Louvre, l'ensemble de tous les tableaux. C'est possible. Il faudrait tout vider, quoi. Il faudrait vider tout le Louvre, et puis là, on pourrait dire, ah, voilà, c'est une rétrospective. Mais là, c'est pas du tout, c'est un choix. C'est un choix thématique, plutôt politique, on peut dire. Plutôt politique. Oui. Oui. C'est pas Han d'Islande, c'est, je sais pas, c'est héros d'Islande qui va à la recherche de tout ce qui est représentable. Partout. Or, ça dépasse une ambition normale de peintre. Au lieu de se concentrer dans un seul style, une seule manière, il adopte tous les styles, il peut faire tous les styles, transgresser, et cette absence de style, ou ces multi-styles, style devient sur-style, qui dépasse le style des autres, par sa profusion. Il n'y a pas de frontière. Quoi. Il faut toujours essayer de définir avec un nouveau concept une nouvelle chose en train d'advenir. Si on la nomme pas, elle n'existe pas. C'est comme un enfant, s'il n'a pas de nom. Il n'existe pas comme personne, comme individu. Mais Maxence disait ça. Il disait un tableau n'existe que lorsqu'il a un titre. C'est comme un enfant, il disait. Lui, il a eu l'idée d'escape. C'est une idée formidable. Ça veut dire paysage. Hein? Mais appeler cette foule de personnages, ou ces foules de machines, ces foules de... ces monceaux gigantesques de poissons, ces gigantesques étendues de voitures, c'est des paysages, donc paysage industriel. Retourner le mot « scape » pour parler d'autre chose que du simple paysage tel que le concevaient les Hollandais, c'est une idée, une force. Je pense que le mot est capital chez lui, « scape », il pense en « scape ». En cinéma « scape ». Je me sens un peu mal parce que ça m'arrive de massacrer des très beaux livres. Hein, je peux faire, maintenant c'est fini avec la photocopieuse, je peux travailler beaucoup, ça m'aide beaucoup. Je peux agrandir les personnages, les détails, je peux les retourner, je peux les colorer, décolorer aussi. Changer les couleurs même. Voilà, changer les couleurs. Ouais, ouais. Mais avant tu utilisais la projectionneuse pour les premiers tableaux, tu projetais quelquefois. Bah, je l'ai fait, mais je continue. Hein. Bah, tu continues à les, projeter encore. Les épiscopes et les oui. Ouais. Ça fait gagner beaucoup de temps. On travaille sur le carré. Donc le on carré, projette ça, l'image dans l'obscurité. Il faut 5 jours. Donc le tableau est comme l'écran qui projette l'image qui est mise dans l'épiscope. Et puis il peint dans l'obscurité, enfin il dessine les lignes. Les lignes. Voilà. C'est-à-dire qu'il construit le tableau d'après le document qu'il a choisi. C'est une autre méthode. Oui, c'était la première méthode mécanique, disons.
Parce qu'au début, il avait appelé ça Mécarte. Mécarte. Hein, je te souviens que tu avais appelé. Mécanisme, oui. Mécarte. Au lieu d'utiliser le mot art, il avait inventé un concept très beau. Mécarte. D'ailleurs, mélanger de mécanique et de l'art, de mécanique de l'art. Oui, moi, j'appelle ça art maker, c'est encore plus simple. Art maker. Les images derrière, on peut les modeler avec, tu vois, on fait une courbe avec, ça veut dire que tu sélectionnes, bien sûr, les images que je préfère, elles sont en premier plan, le plus important, les portraits de matrice que je préfère, et derrière, le fond vont les images qui sont moins importantes, parce que je dis qu'il y a un mouvement... Toboggan. Mais c'est peut-être le fait qu'il était pêcheur au pied des volcans qui a tout conditionné. Je me souviens, il racontait une histoire, je ne sais pas si tu vas m'arrêter, une des choses qui m'a frappé le plus quand je t'ai connu, tu racontais qu'il y avait beaucoup d'avions qui s'écrasaient parce qu'il y avait des nuages, etc. Puis ils ne voyaient pas bien, ou ils estiment mal la hauteur des volcans, ils percutaient dans la montagne et lui, il faisait partie des sauveteurs. Et il allait chercher, c'est ça. C'est vrai. Et puis, donc il y avait des fragments de moteurs, d'ailes, de carlingues qui étaient dispersés et congelés, glacés immédiatement. Et les corps étaient coupés en morceaux. Ouais. Alors lui, avec une hache, pour reconstituer les corps, il devait reconstituer l'ensemble de tous les cadavres pour pouvoir les enterrer, non? Et puis, après, il habitait... À Paris, il avait habité en Italie, donc je ne connaissais pas. Jean-Jacques Lebel l'avait rencontré à Florence. Et puis après, il s'installe à Paris. Alors, il trouve un appartement, il n'y avait pas un sou, évidemment, presque pas. Et il a trouvé un appartement dans la place principale des clochards, le carrefour. Maître Albert. Oui, rue du Maître Albert, juste en face de la rue Monge, là. Les cafés. Place Maubert, il y avait. Les cafés, c'était que des clochards. En dessous de chez lui, il y avait des clochards qui dormaient sur la table du matin au soir, tous les jours. Et toutes les réserves derrière de métal et des journaux. C'est ça. Il y avait 4 réserves derrière, cassaient ça au kilo. C'est là où je commençais à faire des collages, parce que j'avais libre accès à ces réserves de journaux. Il y avait beaucoup de journaux formidables. Hein. Intact, ouais, et je prenais tout ce que je voulais. Mais oui, ça m'a beaucoup aidé, ça. Les premiers collages d'Héros, c'est sur des bouts de carton, c'est des photos de presse, souvent découpées dans les journaux ou un peu partout. Et c'est vraiment, c'est bien avant le pop art, mais c'est déjà du pop art, si vous voulez reprendre votre expression. Mais c'est un pop art qui est critique, qui est politique, qui est et puis ça n'existait pas. Je veux dire, le pop art n'existait pas quand il a fait ses collages. Donc il n'a pas attendu les Américains, comme disent les Américains, qui quand ils parlent de lui font comme s'il était un suiveur du pop art. C'est un mensonge absolu. D'abord, le pop art, ce n'est pas une invention américaine, c'est une invention anglaise. Ouais. C'est un type qui s'appelle Lawrence Holloway, le grand critique anglais, qui a trouvé ce mot. Parce que les Américains appelaient leur nouvelle forme d'art New Dada, or Junk Culture. New Dada. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai. Ils n'ont pas aimé ça parce que ça, néo-dada, c'est pas bon, c'est négatif. Alors, ils ont volé cette idée. Castelli a volé l'idée de l'anglais Holloway, pop art, et ils l'ont appliqué à eux, et puis ils ont confisqué, comme ils font toujours, quoi. Formidable. François Topino Lebrun, guillotiné, né tata,
mort en 1801, guillotiné sous l'ordre de Bonaparte pendant le premier consulat. Ouh là là ! Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Personne n'en parle jamais. Parce que David avait protégé tous les peintres. Il avait nommé Fragonard à la tête du Louvre, qui n'était pas spécialement révolutionnaire, Fragonard. Hein. Alors je me suis dit, c'est bizarre cette histoire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'était un des élèves de David, qui était parmi les plus doués. Enfin, il croyait beaucoup en lui, il l'aimait beaucoup, il y a des textes là-dessus, etc. Donc j'ai tout retrouvé, et puis j'ai raconté cette histoire au peintre. Et à mon grand étonnement, quand j'ai raconté ça à Hérault, à Calcati, à Fromanger, à Monory. Monory était un peu plus réticent, mais à Dufour et à Belichkovitch, ils ont tous dit « Ah, mais il faut faire quelque chose là-dessus, c'est une histoire formidable !» Et c'était la première grande exposition du Centre Pompidou d'art contemporain en 77. Et ça a eu un succès assez considérable, il faut dire. Il faut que tu racontes le tableau, comment tu as trouvé le tableau. Alors, le tableau, d'abord, je savais qu'il avait eu un grand prix en 1798, le premier prix de peinture d'histoire, et que ce tableau avait... ce Topino, le moins, était de Marseille, était né à Marseille. Et alors, j'ai cherché, et j'ai en effet trouvé au Musée des Beaux-Arts de Marseille, un vieux catalogue d'avant la guerre, que ce tableau, la mort de Caius Gracchus, qui était une allusion à Gracchus Babeuf, qu'on venait de condamner à mort, et qui était plutôt... Parce que Topino était abonné au journal de Gracchus Babeuf, donc il a joué hein, avec l'histoire des Romains, l'histoire de la Révolution française, donc il a fait un hommage à Gracchus de Rome. Pour parler de l'autre, celui qu'on venait de guillotiner. C'est pour ça que finalement, avec les hein, on a pu montrer le tableau de Topino Lebrun au milieu de leur tableau, au Centre Pompidou. Ce qui était quand même assez paradoxal. Hein. Mais je me demande aujourd'hui, si quelqu'un essayait de proposer une idée comme ça, à mon avis, personne ne marcherait. C'est trop tôt. On avait le temps, on ne sait pas. C'était à la fois trop tard et trop tôt. Mais à l'époque, c'était le dernier moment. Avec des images de propagande, il fait de l'anti-propagande. Il ne fait pas une nouvelle propagande. Non, on ne peut pas dire que c'est un tableau de propagande. Non, mais il utilise des images caricaturales ou satiriques pour détourner les propagandes des autres. Alors là, c'est une organisation énorme, comme la guerre, hein, se passer de quelques mois pour trouver tout ça, hein, tous les documents, et c'est très précis finalement. Ça a l'air très une grande pagaille, mais ce n'est pas une grande pagaille, tout ça est très organisé. C'est une guerre avec censure totale de l'information pour l'image. Mm-hmm. Donc lui, il surcompense en quelque sorte ce déficit d'image par une prolifération d'images caricaturales pour dénoncer ce genre d'opération. Parce qu'on dit que l'œil voit, mais c'est plus que l'œil. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs. Ce n'est pas seulement l'œil, je crois. Je crois que c'est quelque chose qui est plutôt une sorte de...
de sympathie, comme ça, pour les autres. Gigantesque sympathie. Même pour les criminels, il a de la sympathie. Il est maladivement victime de sympathie universelle. Et là, il aime, finalement, même les bourreaux, même les monstres. Il y a quelque chose qu'il aime en eux. Ça le fascine. Apollinaire, c'est évident que Apollinaire, il était bon avant Breton, mais c'est un personnage au collectif, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui réunit les peintres, et il fait la première livre sur les cubistes, hein, payé par Picabia, son copain. Et donc, parce qu'il n'avait pas un rond, personne ne voulait éditer un livre sur les cubistes, c'est fou, ils font tout en cube, soi-disant. Lui, il faisait des bandes dessinées, n'est-ce pas, pour les journalistes, et puis à l'époque, les cubistes, ils faisaient des cubes. Bah oui, c'est aussi simple que ça. Et toujours le plus simple. Alors là, ben, il a absolument respecté les liens réels, c'est-à-dire Apollinaire connaissait personnellement tous ces peintres et les a défendus parce qu'il les connaissait. Ils avaient choisi, bien entendu, ils choisissaient pas n'importe qui. Et donc, comme il faisait de la chronique journalistique dans un journal qui s'appelait L'Intransigeant, il faisait chaque jour presque des articles sur tous les peintres, 5 lignes, 10 lignes, toutes les expositions, toutes. Hein. Ça, c'est de la critique d'art, hein. L'exploration systématique. Et au lieu de faire le portrait classique, qui consiste à l'effigie, quoi, l'effigie, bah, c'est des anti-effigies, puisqu'il y a d'autres. Il ne dissocie jamais, en quelque sorte, un individu de son contexte social, intellectuel, familial, historique, en quelque sorte. Donc c'est encore de la peinture d'histoire, même les portraits. Ça t'est arrivé souvent, hein, des problèmes, oui. Qu'on t'empêche d'exposer un tableau. Si, avec le pape et le Montegliano. Et ouais. Ça a commencé là, hein. En Suède, oui. C'est arrivé en Suède. Gros scandale. Un nu de Modigliani avec la figure du pape. Insupportable, n'est-ce pas? Scandaleux. On arrête là.